Merci. Je t'ai fait un déca, t'es assez énervé comme ça. Non, mais merci. T'as du temps? Vite fait, faut que je remballe. Alors, comme j'ai essayé de te dire hier soir, on se sépare gentiment, on fait le tri gentiment, pour savoir qui prend quoi, et on déménage. Gentiment. Et si on n'est pas d'accord, on s'engueule gentiment? Louis, on est adulte. On peut essayer de faire ça avec bienveillance, non? Oui, et bah je te redis avec toute bienveillance que je suis pas d'accord avec cette rupture. Là. Ça te la coupe, hein? Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas pas m'imposer une décision? C'est pas super bienveillant, ça. Non, je vais rien t'imposer du tout. Mais le non prime toujours sur le oui, et là c'est pareil. Tu vas pas m'imposer de rester, c'est absurde. Bon, et bah statu quo alors, on s'appelle, on se fait une bouffe. Non! Ça fait un mois que tu m'esquives, ça suffit maintenant. J'adore quand t'es autoritaire comme ça, ça m'excite. Putain, Loïs, mais tu vois pas qu'on se fait du mal, là, hein? On peut pas continuer comme ça. Il y a des tas de gens qui y arrivent. Alors écoute, depuis qu'on a compris qu'on détruisait la planète, on a changé de comportement, on est d'accord, hein? On a vendu le scooter, on a arrêté de prendre des bains, de bouffer de la viande... Je vois pas le rapport. Le rapport, c'est quand on se rend compte que quelque chose ne va pas, on change de posture. Hein, on arrête de faire n'importe quoi. Et bah pourtant, le gouvernement, il fait toujours nimp. Mais c'est pas le débat, là! Mais attends, je rêve ou t'es en train de me dire que tu veux me quitter parce que rester ensemble, c'est pas écolo? Je te dis juste que le respect de la planète, ça commence par le respect des autres et de soi-même. Mais attends, je te respecte grave, moi. Oh putain. Ok! Et ben moi, je te dis que c'est pas du tout écolo de changer de partenaire. T'es en plein dans la surconsommation, là. Tu dis que tu veux pas acheter un jean tant qu'il est métable, et bah là c'est pareil. Bilan carbone à chier. Sauf que je suis usé, Loïs. T'es plus métable. Pardon. Pardon. Camion de déménagement égale pollution atmosphérique. Appli de rencontre égale pollution numérique. Deux appartements, encore plus de chauffage, d'électricité, égale déperdition énergétique. Rachat des affaires en double, égale consommation inutile. Déchets, rencontre, égale restaurant, surconsommation, encore plus de déchets. Rester ensemble, égale engueulade permanente. Tristesse, ressentiment, pic. Somatisation, psy, antidépresseur. Plus d'envie, plus de tendresse. Se quitter égale douleur, ressentiment, tristesse, pic. Mais un jour, calme, sérénité, renouveau, ouverture, envie, rencontre, amour. Et surtout le plus important, là, le retour de la tendresse entre nous. Et ça vaut tout l'or du monde. Bilan carbone à chier, ça c'est sûr. Mais bilan du cœur... À chier. Thunder and rain.